Salut tout le monde, c'est Croco64. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Mario Kart 7 Online. Oui, donc la semaine dernière, c'était. Je vous avais proposé un épisode de. Du premier épisode de. De Super Mario 64. Et aujourd'hui, donc, on retourne sur Mario Kart 7. Tout simplement parce que là, les mondiales, ça faisait un mois que j'avais pas fait. Donc le défi d'aujourd'hui, comme vous allez voir, oui, c'est inhabituel, j'ai pris Bowser, et tout simplement c'est parce que mon défi c'est de prendre un combo pas maniable du tout, et il se trouve que ce combo c'est un des moins maniables du jeu, il a moins d'une barre de maniabilité, donc ça... En fait, c'est un mix entre deux défis. Un qui m'a été proposé par Nintendo ou Nintendo, je sais pas exactement comment ça se prononce, tu me diras si tu regardes cette vidéo. Qui m'avait dit de prendre un combo que j'avais pas l'habitude de prendre. Et XP3 qui m'avait dit de prendre un combo pas maniable, donc j'ai. On va dire que j'ai pas l'habitude de prendre un combo comme ceci, hein. Le combo le moins maniable du jeu. Mais bon, ça va le faire, hein. Ça a l'air d'aller. De toute façon, sur ce jeu, les stats, c'est pas déterminant. On peut faire une bonne course avec un combo pareil, hein. Enfin, ça, je verrai bien à la fin de l'épisode. Si j'ai réussi ou pas le défi. Oui, donc ça fait un mois que je vous avais pas tourné de Mondi. Et il y a deux semaines, c'était le duel contre le XP3 sur Bob Omb Blast. Donc d'ailleurs, il a sorti sa version depuis. Je vous encourage à aller la voir. Donc si vous savez pas quelle est la chaîne XP3, il commente souvent mes vidéos, donc vous allez voir dans les commentaires d'une de mes vidéos, vous appuyez sur sa chaîne, quoi. Voilà. J'ai oublié de vous montrer les points, c'est pas grave, vous allez les voir tout de suite. Et donc, j'ai décidé de faire un nouveau planning, entre guillemets, de vidéo. Parce que la dernière fois, je vous avais dit que je savais pas si j'alternais Mario Kart 7 et Super Mario 64. En gros, un épisode MK7, un épisode Super Mario 64 DS. J'ai décidé de changer ça. Ce planning s'appliquera dès aujourd'hui. Donc un épisode de Mario Kart 7 et une semaine et les deux prochaines semaines, donc les deux épisodes, deux prochains épisodes, et ce sera Super Mario 64, donc ça permet de faire avancer le let's play. Parce que si j'alterne entre les deux, ça avancerait pas beaucoup. Donc là on fait Souk Mascas. Je sais pas pourquoi, là je fais des lapsus. Soup Mascas, ça va rester dans les annales. Ouais, donc la première course, j'avais pas trop fait le commentary parce que je vous expliquais tout ce qui se passait. Là je vais pouvoir plus me concentrer. Ok, je me fail. Oui, donc à noter que là j'ai privilégié le cadrage à tout prix. Donc je joue dans une position je suis obligé de me baisser pour voir à peu près bien l'écran. Parce que l'écran est la perpendiculaire en fait. Donc c'est pas très pratique. Mais au moins vous avez un cadrage optimal. Là je pense qu'on peut pas faire mieux. Sans reflet à ce que je vois. Enfin voilà. Puis avec un combo très bizarre. Hein. Oui, donc en parlant du combo, donc c'était pas le seul. En fait, je me suis rendu compte que tous les personnages lourds ont la même maniabilité et qu'il y a plusieurs cartes qui avaient une mauvaise maniabilité.
Donc j'ai pris celle-là, j'ai pris celui-là, et puis j'ai pris les grosses roues, mastodontes. Donc au final, on a moins d'une barre de maniabilité. Donc voilà. Mais ça va, ce que je vois, j'arrive quand même à m'en sortir. Je sais plus quelle place j'ai fini la dernière course. À vrai dire, j'étais pas très concentré la dernière course. Je sais que j'ai fait une bonne place et tout. Sur le pic Houhou. Là, je suis quatrième, non cinquième, on est 7. Dernier tour. Delta du dégage. Oui, donc là j'ai beaucoup de pas aussi. Là, si on fait route arc-en-ciel ou un truc comme ça, ça va chier parce que. Ok, d'accord. Ça... Oh bon, d'accord. C'est bien, je perds mes champignons. Parfait. Hein. Ça commence à se compliquer là. J'ai peut-être eu de la chance sur Picouhou, mais là. J'ai du mal à avancer. Oh non. Ok, il backspam ses rouges. Dernier, c'est cool. Et il a du mal à décoller, hein, ça se voit. Hein. Ce combo n'est pas le plus léger, comme vous avez pu vous en apercevoir. Donc n'oubliez pas de me proposer un pour l'épisode 5, donc qui viendra si vous avez suivi dans 3 semaines. Vu que les deux prochaines semaines seront du Superman 64, cette fois, je vous montre mes points. 15 164 PC. Vous voyez, depuis un mois, l'épisode 2, j'avais dépassé les 14 000 PC, donc point course. Je regarde bien. Et donc depuis, j'ai fait mon petit chemin. J'ai dépassé les 15 000. Enfin voilà. Là, une salle à 8. Non, là je suis content de mon cadrage. Ça, oula, j'ai fait bouger. Ça a l'air d'être optimal là, je crois que j'ai trouvé le bon moyen. Oui, c'est pas moi qui vote sur Qtod, hein. N'oubliez pas que moi je suis le buzzer. Je ne voterai jamais cette daube. Voilà, c'était ce que j'avais voté, Bagbo Daisy. Oui, parce que le combo que j'ai. Quand tu disais combo que j'ai pas l'habitude de prendre. Bah, d'habitude, en fait, je prends que Mario. Sauf dans les Grands Prix où quand j'ai eu le jeu dans les Grands Prix, j'alternais entre. D'accord. Mario, mon Mi et Metal Mario. Mais là, depuis, j'ai utilisé que Mario. Même pas mon Mi. Jamais utilisé mon Mi en ligne. Je sais pas pourquoi. Qui sait, ça arrivera bientôt. Ok, sans miroir. Soit sans miroir ou soit je sais plus comment. Soit je ne connais plus ce circuit, mais je pense que sans miroir plutôt. C'est vraiment pas facile, surtout vu comment je le joue là. Je suis obligé de me pencher pour voir l'écran. Je vois. C'est très dur de bien voir là. Mais au moins vous voyez bien. Ah non, c'était même pas en miroir. Mais bah, c'est moi alors. C'est moi qui ai plus l'habitude de ce circuit alors. J'espère que vous entendez bien le son. Ok. Parce que en fait là je saurais pas si vous entendez bien. Parce que en fait j'enregistre avec le son le micro du casque. Mais je mets le fond du jeu à fond pour que vous entendiez quand même en bruit de fond. Je pense que c'est mieux. Moi j'aime bien entendre les musiques au fond, moi. Quand je regarde une vidéo de je sais pas quoi, de n'importe quoi. Pas juste entendre le mec parler. Oh là là. Ah ouais, jusqu'à maintenant, c'est le défi le plus compliqué que j'ai eu à faire. En même temps, c'est que le deuxième. Hein. Le premier, c'était pendant le duel contre XP3, prendre Mario avec tout standard. Hein. Là, c'est déjà plus compliqué. Hein. Donc ouais, n'oubliez pas pour dans 3 semaines de m'en proposer un. Hein. C'est pas obligé que ça soit sur le combo comme je le rappelle. Hein. Ok, avant-dernier. Bon, là, c'est vraiment la grosse honte. Ouais, du coup, je garde les mêmes points. Mais regardez aussi, il y a des gens pas mal aussi.
Donc ça m'aide pas non plus parce que j'ai un combo pourri. Et en plus, il y a des gens forts dans la salle. Voilà. Je profite pour cadrer. Alors du coup, qu'est-ce que je vais voter? Hésitation, hésitation. Oh là là, bon allez, on éboulit. Je sais que ce circuit n'est pas aimé par tout le monde, mais moi je l'aime bien. Ah d'accord, la pire. Super. On va s'éclater durant les 3 prochaines minutes. C'était ironique, hein. Si je pense que vous qui regardez cette vidéo n'êtes pas fan non plus de ce circuit. Enfin, en tout cas, je l'espère pour vous. Oh là là! Putain, mais c'est pas possible ça. Il est tellement. Et ce combo est tellement gros qu'il peut se faire toucher par n'importe quoi, quoi. Oui, donc. Ah oui, aussi. Un autre truc dont je voulais vous parler. Ben, en fait, je suis très content parce que à toutes mes vidéos maintenant, j'ai quelques likes. Genre, ça dépend des vidéos, 2, 3, 4 même des fois. Donc c'est très bien, sauf que YouTube étant ce qu'il est, eh ben, il m'est impossible de savoir qui me les met en fait. Et on peut dire que ça me frustre un peu parce que bah j'aimerais pouvoir remercier les gens qui mettent des likes. Parce que voilà, c'est frustrant quoi de pas savoir d'avoir des likes invisibles, voilà, la bleue qui traverse le mur. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est. Enfin voilà. Je fais surtout des vidéos, c'est pour avoir des commentaires. Hein. Pour avoir des avis, donc je sais pas, même si vous avez rien à dire, bah glissez un petit mot, une petite connerie ou je sais pas quoi, mais même enfin voilà, ça me fera aussi plaisir que d'avoir un like, et en plus je pourrais vous remercier en retour. C'est comme quand bah, c'est pareil avec les abonnements quoi, je ne sais pas qui s'abonne. Je ne sais pas, je ne reçois pas de notification. Donc, enfin voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous l'avez bien aimée, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires, comme ça, bah, je peux discuter avec vous tout simplement. Alors que avec un like, bah, je ne peux pas savoir qui vous êtes et donc je ne sais même pas bah, qui regarde. Je sais pas, vous je ne sais pas ce que vous attendez, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse, etc. La plage Koopa, c'est déjà mieux que Circuit Toad, qui en plus l'utilise la revote. Vive l'originalité. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Parce que là, cette première partie de vidéo, je vous ai surtout dit tout ce que je. Des messages que j'avais à vous dire. Donc là, je vais pouvoir me concentrer sur. Ok. Mais c'est chiant de jouer comme ça, je vois rien en fait. Ça aussi, c'est un défi, c'est de filmer. Rien que le filmer, c'est le défi quoi. Ouais, donc donner des défis, donner des idées de mashup. Enfin, voilà, que vous participiez, surtout que ça que j'ai envie. C'est pas que je fasse des vidéos dans le vide. Oula. Que je fasse des vidéos, que ça serve, que des gens aiment ce que je fais, que je
Je l'ai fait aussi pour moi, bien sûr, parce que j'aime bien, mais je fais surtout pour les gens qui regardent. Voilà, hors de question de prendre le passage secret No Shroom avec lui, hein. Il a déjà du mal à décoller du sol. Dernier tour. Je suis 4ème sur 8. Je vais essayer de me rattraper. Je garde ça pour le shortcut. Oui, c'est bon. Je me suis débarrassé de ça. Mais non! Oh putain. Vraiment pas de chance là. Oh là là. Ouais, je me retrouve 7ème et il me donne une bleue, ça me sert à rien. Ouf, j'ai raté le. Il est pas passé loin. Ouais, je suis 5ème. 15 184 points, j'avance doucement. Enfin, j'avance, mais bon. J'aimerais faire des bonnes places. Et comme quoi, ce défi, je sous-estime mes défis à chaque fois. Dans le défi, ça m'avait apporté quelques difficultés d'avoir le combo tout standard. Et je suis sûr que c'est pour ça qu'il se trouve à gagner MDR. Non, il est fort à ce tournoi, il est fort. Il faut du talent pour jouer à Bobon Blast. Hein. C'est pas que de l'aléatoire. Bah là je le sous-estime un peu parce que bah quand même c'est plus dur de se rattraper quand on est Bowser avec un point de maniabilité et rien d'accélération aussi parce que ça va avec. Que quand j'ai mon combo Mario que je gère, etc. Bah Ego Piranha, ça va plaire à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Hein, ne mets pas de pouce rouge XP3, je t'en prie. Ce n'est pas ma faute. Pire, ferme les yeux. Même si tu vas entendre la musique, hein, sûrement. Je suis désolé pour toi. Mais bon, moi, je ne trouve pas ce circuit si mauvais. Mais bon, XP3, il a la phobie de ce circuit. Ah, j'arrive même à faire premier, là. Ah oui, mais bon. De toute façon, il fallait bien qu'il tombe ce circuit. Je vais prouver qu'il n'y a aucun bug. Il y a un Yoshi juste. C'est lui qui l'avait voté ce circuit. Je suis poursuivi. Mario Full Or qui me suit là. Ok, je vais backspam à la banane. Ouais, donc j'espère aussi, en parlant de XP3, refaire très bientôt un duel avec lui parce que, bah, pour pas vous mentir, je me suis vraiment éclaté, encore plus que d'habitude. Mais non! Je me suis vraiment éclaté encore plus que d'habitude à le faire. Surtout que là, du coup, bah, j'ai découvert sa vidéo, ce qu'il disait en attendant. Bon, ok, je suis passé de premier à 8ème. Ça va pas me servir. Wow! Je vais me la prendre moi-même. J'espère que ça s'est vu sur la vidéo. Bon, par contre, là, faut que je me rattrape. Mais comme je vous dis, avec ce combo, c'est pas évident. Surtout, en plus, avec la manière que je joue, c'est encore moins évident. La fusée qui dure 3 heures, quoi. Oh là là! Allez, mais non, arrête de m'écraser, toi. T'as un 5ème encore.
Excusez-moi, faut que je remette en place mon truc. Voilà. Du coup, je sais pas combien de points j'ai eu. Va voir ça. C'est bon, XP3, tu peux rouvrir les yeux. L'Igloo Piranha est fini. On va passer à un autre circuit. C'était la fin de l'alerte. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas XP3 ou qui ne savent pas, bah, tout simplement, ils détestent ce circuit, ça sur MK7 ou MK8. Donc j'ai 15 191 points. Oui, donc j'aimerais refaire très bientôt un duel contre lui. Après, est-ce qu'il filmerait de son côté aussi? Bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je pense plutôt, c'est soit on refilme tous les deux de notre côté comme la dernière fois, ou soit il n'y a que lui qui filme, donc du coup je serai dans sa vidéo. Et du coup, on pourrait mettre le call Discord, ce qui serait. Parce que le plus gros défaut de la vidéo du duel, c'est qu'il n'y avait pas de call. Bon, franchement, ça a pas rendu cette vidéo nulle hein, au niveau qualité, mais enfin, voilà, ça aurait été un petit plus. Et bien sûr, lui, bah, je pense que ça ne serait pas avant un bon bout de temps quand même, parce qu'il faut qu'il varie ses vidéos le dimanche. Il va pas faire 30 vidéos MK7 de suite, je suppose. Ok, je me prends le Wiggler. Bon, après ça ne dépend pas de moi, ça dépend aussi de lui. Si on fait un duel, hein, ça concerne tous les deux. Oh là là! Ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Y aurait-il un autre bug sur ce circuit? Oh, c'est dangereux ça! Et bien sûr, non mais ce combo. Non! C'est le combo de la mort ça! Un truc de fou! Je parle de la mort. Pas dans le sens positif, hein. De la mort, de la mort, quoi. Tu meurs en prenant ce combo. Ça va, troisième. Mais non, mais il faut toujours qu'il y ait une connerie, là. C'est le retour de la rage. C'est pas dans Superman 64 que je rage, mais quoique. Sur le niveau de la forteresse romp, quand j'ai pris 30 essais à réussir à un simple saut, bah j'ai ragé. Mais bon, sur Mario Kart, c'est pire. Je sais pas si j'ai bien mis, parce que je sais pas si on voyait les objets depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'était dans le champ de la caméra. C'est un peu embêtant. Si vous avez pas vu, je suis désolé. Là, normalement, c'est bon. Là, je profite du canon. En fait, je peux pas vous montrer en même temps les objets et la place, sauf si je m'éloigne un peu. Ok, le 7. Je spamme tout parce que là, en fait, j'ai juste envie de gagner des places. Oh oui! Le dodge. Voilà. Carte ça peut toujours servir. Vu toutes les conneries qui peuvent arriver sur ce jeu. Ok. Ah voilà, deuxième, ça c'est bien. Non mais. Bon, j'attends. Voilà, les points s'affichent. 15 208. Et 24 minutes 25 secondes de vidéo. Donc je ne sais pas combien de courses je vais continuer à faire. Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire. Je ne sais pas combien de courses je vais encore faire. Peut-être 2 ou 3, je sais pas. On verra. Ça dépend si j'ai envie de dépasser les 30 minutes ou pas. Bah, dites-moi aussi si vous préférez que. Quelle durée de vidéo vous préférez? Enfin, même si de toute manière je pourrais jamais faire des vidéos d'une heure.
Mais bon, si je peux arriver, je sais pas, aux 40 minutes, un truc comme ça, est-ce que ça vous dérangerait? Surtout pour Super Mario 64 DS, le Let's... Surtout pour ça, parce que bah, il faut que j'avance. Faut que j'avance. Bon, que votent les derniers, ils votent aléatoire. Ou alors, bah, ok, encore bois vermeil, deux fois de suite. J'aime la diversité des courses pendant mes vidéos MDR. Bon, tant que c'est pas un repeat de Circuit Todd ou de Super NES Route Arc-en-Ciel, bah je dis pas non. Ou Koopa Police aussi, peut-être. Même Souk Maska, je l'aime pas trop. Enfin, c'est les 4 circuits là, c'est les 4 circuits que j'aime le moins. Donc, Circuit Todd, Super NES Route Arc-en-Ciel, Koopa Police et Souk Maska, ça serait mon top 4 des pires daubes de MK7. Enfin, Koopa Police, c'est pas vraiment qu'elle est pas bien, mais c'est qu'elle est survotée, quoi. C'est pas le top 4 des pires daubes, c'est le top 4 des circuits que j'ai pas envie de faire. Simplement. Parce que, bon, Koopa Police, on l'a fait souvent, trop souvent, ce qui tue un peu la course. Mon Circuit Todd, qu'on le fasse souvent ou pas souvent, ça tue la course. Super NES Route Arc-en-Ciel, c'est pareil. Enfin, Super NES Route Arc-en-Ciel, il est les deux parce que elle est surjouée et en plus, bah, elle est pas top. Ok. Cette fois, je garde ma verte parce que bah, quand on se prend une bleue, bah, on garde les objets qu'on a en réserve. Ça va, je me suis habitué au combo, j'ai l'impression. J'ai dompté le Bowser. Par contre, ouais, en fait, je vois rien de ce qui se passe devant. Là, j'aurais pu ne pas voir que Todd avait des bananes devant. D'accord. Tellement il prend de la place sur l'écran. Ça me rappelle une fois. Quand on avait fait une session sur MK8 un dimanche, j'avais pris Bowser Squelette avec les roues orange, les grosses roues oranges et Mastro Tubu, je sais pas quoi là. Bah c'est pareil, ça prenait tout l'écran. D'ailleurs j'avais fait des snipes sur ça, donc si vous voyez pas de quoi je parle, bah ça c'est des snipes 20, 21, 22, 23, je crois, un truc comme ça, où j'avais pris ce combo. Ouais, d'ailleurs les snipes, bah il y en a beaucoup moins qu'avant, bah tout simplement parce que je joue moins au jeu, tout simplement parce que en général il reste plus grand monde. Donc voilà, j'ai pas trop envie de jouer tout seul. Donc là je suis à 30 snipes au moment où je tourne. Je sais pas si ça aura changé quand je publierai. Bon, par contre là je suis 6ème. Non, mais. Ah, backspam à la fin là, c'est vraiment chiant. Le Todd, il croyait pouvoir me doubler. Même après la ligne, mon Bowser se fait. Bah, pardonnez-moi l'expression, mais il se fait enculer. Bon, par contre, là, ça lag. J'espère ne pas être déco. Sinon, si je suis déco, bah on se dira au revoir maintenant. Bon, allez. C'est vraiment triste ce qui se passe. Ah, voilà. 15212. Bon, allez, on va dire que c'est l'avant-dernière course. Je vais dépasser 30 minutes. Pour une fois. J'espère que vous êtes content. Que pour ça, vous me direz des commentaires positifs. Ou alors, vous me direz tout simplement, non, c'est nul, je préfère quand c'est 30 minutes. Ça arrive aussi, il y a des fois des gens qui n'ont pas trop le temps de regarder, qui n'ont pas que ça à faire. De regarder... Une vidéo
plus longues que 30 minutes. D'ailleurs, on vient de les atteindre. Avec Galion de Wario. Ouais, je crois que je l'avais encore jamais fait en Bondi filmé celui-là. C'est bien aussi qu'on ne fasse pas toujours le même circuit. Si je dis ça alors qu'on vient de faire deux fois bas vermeil, mais. À un moment, on aura fait tous les circuits en ligne. Enfin, j'aurais filmé tous les circuits. En ligne. Enfin, voilà. Je sais pas comment vous dire. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. En gros, qu'au bout d'un moment, j'aurais fait les 32 circuits. En capturant. Hein, parce que, bien sûr, j'ai déjà tous fait sans capturer. Hein, mais je peux arriver à 15 000 en faisant toujours les mêmes circuits. Bon, là, par contre. Ok, j'ai pas d'objet, c'est quoi ce bordel là? Oh mais non, mais. Putain, mais je rate les items, c'est un truc de fou. Y'a une bleue qui arrive derrière. Ah non, elle était dedans. Bah oui, je suis dernier. Donc, on peut pas venir de derrière, là, bleu. Elle ne peut pas venir de derrière. Bon, allez, rattrape-toi, petit Bowser. Je sais que tu peux le faire. Il faut que tu démentes les rumeurs comme quoi tu serais injouable et que tu ne sais pas tourner et que tu n'as aucune accélération et donc que tu ne peux pas gagner. Mais il faut que tu démentes ces rumeurs. Pour cela, je vais t'aider, mon petit Bowser. Ou pas. Ou alors, je vais complètement affirmer ces rumeurs. Parce que jusqu'ici, j'ai plus fait de la merde qu'autre chose. Bon, je pense quand même m'arrêter là parce qu'on va pas traîner non plus. Ça va déjà faire 33 minutes. Donc désolé. En fait, j'ai menti, on va s'arrêter là. Parce que je veux pas non plus que ça dure trop longtemps. Bon, voilà. 33 minutes, c'est déjà pas mal. Bon, bah voilà, donc c'était l'épisode 4 de Mario Kart 7 Online. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À proposer le prochain défi, enfin voilà. Donc, le prochain épisode de Mario Kart 7 Online sera dans 3 semaines, et bah bien sûr, d'ici là, il y aura les vidéos habituelles, donc les mashup, les versions dernier tour. Et la semaine prochaine, bah, la vidéo gaming, ça sera du Super Mario 64, ainsi que la prochaine fois. Donc, voilà. Je vous dis au revoir, et à la prochaine.